Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi, donc le milieu de la semaine. Puis, c'est ça, dans le fond, j'ai décidé de vlogger parce que je vais être due pour laver mes cheveux. Puis, je vous avais promis que j'allais vous montrer mes produits que j'utilise pour le soin de mes cheveux. Là, vous étiez plusieurs à être curieux de savoir ce que j'utilise. Fait que, bref. Je me suis dit que j'allais vlogger aujourd'hui, puis parce que ça me tentait de vous jaser un peu. Là, je vais sortir Banjo, hein? Oui, on va te sortir! Et c'est ça, aujourd'hui, ça s'annonce être une belle journée, les deux. Ben hier, c'était quand même une belle journée aussi. C'était drôle parce qu'il pleuvait avec soleil. Je sais pas si ça fait ça chez vous aussi. Vas-y, mon chien. Ouais, je sais pas si ça l'a fait ça. Banjo le kangourou. Banjo le kangourou. Ouais, je sais pas si ça l'a fait ça chez vous aussi, mais ça a l'air que ça a fait ça comme dans plusieurs régions, là. La porte est fermée. Ouais, il faudrait bien que je dégonfle mes ballons ici. Puis, sinon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, c'est une journée de travail ordinaire. Puis, sinon, c'est vrai aussi, sur l'heure du dîner, il était moché. Ben, dans le fond, je vais comme déplacer ma pause dîner, là, si c'est possible. Dans le fond, j'ai un petit Banjo! Ah, oh, je pensais qu'il partait là, parce que des fois, il y a des filles qui passent dans la rue. Puis là, il s'est mis à les voir, puis partir courir après. Là, on a fermé comme les barrières. Mais elles sont comme vraiment vieilles, puis il va falloir les changer. Mon Dieu, c'est quoi qui fait ce bruit-là? Bizarre. Mais c'est ça, dans le fond, sur l'heure du dîner, je vais déplacer ma pause dîner, puis j'ai une rencontre... Zoom avec Chlorane. Fait que dans le fond, ils m'ont comme envoyé leur nouveauté là, de soins du visage. Fait que dans le fond, on a comme une petite rencontre. C'est comme un petit peu un event. Ouais, ils m'ont genre même envoyé comme le petit déjeuner et puis tout ça. Je vais vous montrer ça. donc, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, c'est rare, comme je vous dis, que je fais ces affaires-là. Ça va, Manjo? Vita! Banjo! Banjo! Hey! Non, va pas en avant! C'est rare que je fais ces trucs d'événements-là, pour être franche, mais c'est vraiment une compagnie que j'aime beaucoup. D'ailleurs, si je vous présente les trucs pour mes cheveux, vous allez voir qu'il y en a pas mal. Ce n'est pas un vlog sponsor par Chlorane, gang! fait que, ouais, c'est ça, je vais vous montrer le petit colis. Ben, ils nous ont envoyé, dans le fond, les Overnight Oat Box. Je sais pas si c'est supposé donner ça, là, les gruaux Overnight. Je le trouve pas mal liquide, là. En tout cas, je sais pas trop. Moi, je le trouve pas mal liquide, puis ils en ont envoyé... Ils m'ont envoyé comme plein là, de petits sachets comme ça. J'en ai 4-5. Puis ils nous ont envoyé aussi du granola. Fait que, ouais, je suis contente. J'ai hâte d'essayer ça. Puis, dans le fond, je vais vous montrer les petits produits. Puis sinon, ils m'ont envoyé, c'est ça, dans le fond, leur nouveauté. Fait que je vais tester ça. Puis je vous en redonnerai. C'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Pour les cheveux, fait que puis j'ai commencé d'ailleurs un nettoyant pour le visage d'eux, mais pas un nettoyant, un autre micellaire que j'aime beaucoup. Fait que bref, j'ai vraiment contente, j'ai hâte d'essayer. Puis ils m'avaient envoyé une belle tasse, mais elle a tout brisé dans le transport là. Bref, j'étais vraiment déçue, mais ils vont m'en envoyer une nouvelle. Fait que c'est ça, je sais pas si on voit là. Comme ça. Fait que je vous en donnerai des nouvelles, là. Je vais faire la petite, petite meeting, là. Je pense qu'ils vont nous montrer un petit peu comment appliquer les soins et tout ça. Fait que ça va être super intéressant. J'ai vraiment hâte de les essayer. Fait que, bref, c'est pas mal ça pour ma journée. Là, dans le fond, je pense que je vais m'installer pour faire le montage de mon vlog. Oh, j'espère qu'on voyait pas mes affaires. J'avais comme ouvert, ce matin, je faisais de la comptabilité. En tout cas, au pire, je vais zoomer, là. Je faisais de la comptabilité, puis là, j'avais comme accédé ouvert, fait que... Oups! Je pense pas qu'on va voir. Alors là, je vais faire le montage de mon vlog. Je pense que je vais m'installer en bas avec Salut Bonjour. Puis, c'est ça. Là, il est quelle heure? Là, il est 6h moins 10. Fait que, dans le fond, moi, je commence à travailler à 8h. Donc, j'ai encore 1h et 10... C'est ça, à faire le montage.
semaine qui succède à Bill Morneau, lui qui a démissionné un peu plus tôt cette semaine. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, je suis vraiment... Alors, j'ai fait le montage de mon vlog, puis pas petit Banjo, il a fait un petit vomi ce matin. Je suis pas trop... je pense qu'il doit avoir mangé quelque chose qu'il fallait pas. Encore. Parce qu'il y avait comme des herbes là dans son vomi. Pour petit cœur. Puis il a failli vomir sur le sofa, là, mais je l'ai pris puis je l'ai mis par terre. Fait qu'au moins, il a vomi par terre. C'est plus facile à ramasser comme ça, admettons. Fait que là, il a l'air de bien aller, là. Ça y arrive de temps en temps, pour petit cœur. Puis là, dans le fond, j'étais en train de me partir un petit café. Là, il faut que je fasse réchauffer mon lait au micro-ondes, là, vu que mon mousseur à lait, il chauffe plus. Donc, vraiment, j'écrive à la compagnie, là, c'est comme pas écrit, là. Tellement de choses. Fait que les rénaux puis tout ça, on dirait qu'on a tellement là, de choses à penser. C'est là comme j'ai écrit à Costco là, par rapport à nos plaintes puis tout ça, mais on dirait que c'est toujours comme ça. Hein? Ils pensent que tu vas oublier, fait que là, ils te répondent plus, puis là, bref. Fait que là, je devrais avoir des réponses aujourd'hui. Puis, c'est dans mon café, là, je suis là excitée, parce que ça, je vous parle de ce que je me fais un café. Je vais mettre ce matin du caramel à licher! Je capote! Dans le fond, la plateforme web Boule de Neige, elle m'a envoyé un coffret de 8 caramels à licher et je capote! Sérieusement, mon chum et moi, hier, on capotait, là, on s'est mis à faire un test de goût. Puis, j'ai plus de petite cuillère. Mon lave-vaisselle est propre, fait que je vais en prendre là-dedans. Puis, c'est ça dans le fond, j'en ai parlé un petit peu de cette plateforme-là sur Instagram, mais c'est vraiment super, je vous invite à y aller. Dans le fond, c'est une plateforme web où est-ce que j'encourage les produits des entrepreneurs d'ici. Puis, en plus, c'est comme un 2 pour 1, là, je trouve. Dans le fond, à chaque commande, il y a 10$ qui est remis en don à l'organisme caritatif de votre choix. Là, ils ont le choix en plein d'organismes. Puis, bref, fait que je trouve ça vraiment super. C'est vraiment une belle cause. Puis, c'est ça. Je suis tellement contente de faire ça ce matin. Puis, c'est ça, je vais prendre mon petit café, puis après ça, je commence à travailler. Ça commence à popper. Il y a des petits trous, là. Genre là-bas, il y a un trou. Mais quand même, ça commence à ressembler à quelque chose. Youpidou! Travailler, j'ai dû mettre un vlog en ligne, puis je m'en allais faire mariner mon saumon parce que je vais m'occuper probablement du souper ce soir, puis je l'ai sorti comme vers midi, puis il est encore pas décongelé, puis d'habitude il se décongèle vraiment vite, fait que je sais pas trop pourquoi, puis c'est ça, dans le fond, je vais m'occuper probablement plus du souper ce soir parce que mon chum il est parti au Kanak, d'habitude il arrive vers 4h à la maison, mais là... vers comment 3h30-4h dans le fond. Mais là, c'est ça, dans le fond, il y avait des petites commissions à faire au Kanak. Il nous a laissé un beau background pour que je vous parle de mes produits de cheveux. Je vais aller enlever ça. Et je te dis ce tannant-là. Fait que je sais pas comment mettre pour que je vous montre les produits que j'utilise. Bon.
Je vous ai mis dans mon armoire, comme ça je vais fermer la porte, je pense que ça va être plus clair. Ouais, c'est un peu mieux. Je vous ai mis dans mon armoire, puis ça tombe bien parce que mes produits pour les cheveux que j'utilise sont juste là. Fait que je vais vous montrer dans le fond ce que j'utilise dans la douche. Alors, dans le fond, c'est super simple. Moi, j'utilise des shampoings, tu sais, de pharmacie. Je vous dirais, je veux peut-être un petit peu plus haut de gamme que genre qu'est-ce qui est Pantene et tout ça. Qu'est-ce qui est un petit peu plus... J'essaie d'y aller avec plus naturel. Dans le fond, ça fait comme plusieurs fois que je reçois les produits de chez Clorane. Et là, je vais avoir de l'air, tu sais, de quasiment faire un partenariat, mais vraiment pas. C'est qu'ils m'ont envoyé leurs produits et sérieusement, je les adore. Vraiment, là, je les trouve super bons. Fait que j'ai le shampoing puis le revitalisant. Celui-là, c'est vraiment un extra doux. C'est au lait d'avoine. Puis, c'est ça, c'est super. Vraiment, je les adore. J'avais reçu la gamme aussi qui est à la menthe aquatique. Puis, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Je l'avais même racheté. Puis, c'est ça, j'ai vraiment un coup de cœur au niveau des shampoings. Je trouve qu'ils lavent bien les cheveux. C'est pas agressant. Ils sont souvent d'ingrédients naturels, là. Genre, dans les 80-quelques%, là. Je sais pas pour lui, là, mais en tout cas, d'habitude, c'est pas mal ça. Puis, sinon, fait que je varie entre ces shampoings-là. Également, les NutriCap. Les NutriCap, pas nécessairement au... Ben, oui, j'utilise le shampoing, mais ça fait quand même assez longtemps, mais j'aime beaucoup leur beurre nourrissant comme ça, qui est dans le fond un conditionneur. Je vais arriver à focusser. Il est comme vraiment plus épais, tu sais, c'est quasiment un beurre de karité. Je l'ai utilisé vraiment longtemps, je l'aime beaucoup. Fait que ça aussi, c'est un beau coup de cœur. Fait que j'alterne entre soit Clorane ou NutriCap. Là, il m'avait envoyé comme deux fois de suite, là, Clorane même, en tout cas. Ils m'avaient envoyé leurs produits, puis c'est grâce à ça que je les avais connus, puis j'aime vraiment leurs produits. Je pense que ma mère, elle utilisait ces shampoings-là jeunes sur moi. Celui-là qui était à la camomille, ils le font encore d'ailleurs. Puis, faudrait que je l'achète. Je vais l'essayer, c'est parce que ça aide à blondir, ben éclaircir les cheveux un petit peu comme moi qui sont blonds, là. Ça fait plus de reflets. Fait que j'utilise ces deux shampoings-là. Mais là, je suis vraiment... Tu sais, moi, j'y vais un à la fois. Là. Je finis un, puis ça finit là. Puis là, pour le revitalisant, c'est ça que je vous disais, j'utilisais celui-là une fois par semaine. Faut savoir que je lave mes cheveux deux fois par semaine. Fait qu'une fois par semaine, j'utilise celui-là. Puis l'autre fois, j'utilise ce beurre-là que j'aime vraiment beaucoup. C'est un masque. Encore une fois, ils me l'ont envoyé, mais sérieusement, c'est un coup de cœur. J'en mangerai, là. Ça sent tellement, tellement bon. Oh, il sent vraiment bon. Vous voyez un peu la texture, là. C'est vraiment beurre, là. Ouais. Fait que ça, je l'aime vraiment beaucoup. J'essaie de... Ben en fait, je le fais une fois par semaine. Fait que j'en mets... Je viens d'en mettre comme... Oups! Salut! Je viens en mettre vraiment de la pointe, là. Fait que vraiment, genre, tu sais, comme... Tu sais, le trois quarts de mes cheveux, là. Fait que d'ici à là. Fait que, tu sais, moi, je me le mets en couette, là. Bon, peut-être la moitié, dans le fond. Vraiment plus le bas des cheveux. Fait que c'est vraiment mes produits que j'utilise pour le lavage. Puis, comme je vous dis, je lave mes cheveux deux fois par semaine. Fait que entre, souvent, je viens appliquer. Et je vous dis, j'ai juste des produits Clorane, mais c'est parce que c'est vraiment mon grand coup de cœur, là. Je vous dis, moi, j'ai comme découvert cette marque-là, là, cette année, en 2020. Ben, redécouvert, là. Puis, tu sais, ils ont comme sorti plein d'autres produits, là. J'ai même le roux micellaire, là. Puis c'est souvent eux qui m'envoient les produits. Puis sérieusement, c'est un réel coup de cœur. Je les rachète après. Ils m'ont eu, tu sais, ils m'envoient ça. Puis là, après ça, écoutez, je suis pognée. Je suis là, j'utilise plus mes autres produits. J'aime bien trop ceux-là. Oh là là. Puis ben c'est ça, j'utilise le shampoing sec. Donc celui-là, c'était nouveau. Moi, d'habitude, j'achète pas celui-là qui est... Lui, il est comme à l'ortie. D'habitude, j'achète celui-là qui est blanc, là. J'en avais un en backup. Fait que j'utilise celui-là d'habitude. Fait que je viens juste comme de temps en temps, là, entre mes shampoings, faire un petit psh de même. Comme là, j'en ai fait un ce matin. Puis c'est souvent ici, là, à la racine, à l'avant, là, où est-ce que ma frange que j'ai pas vraiment. Parce que, tu sais, je viens mettre les mains dans les cheveux. Fait que ça vient comme plus gras. Puis ça vient comme juste à donner un petit volume, puis je trouve que c'est ça, il laisse pas de résidus. Autrefois, j'utilisais Baptiste avant qu'il me l'envoie.
Plus jamais. Fait que là, moi, je l'achète. Il tombe souvent en spécial au Fermaprix, là. Vous regarderez ça, là. Moi, je le pognais. On dirait que j'étais tout le temps dans les cycles de « Ah, je le pognais quand il était en spécial. » Fait que c'est pas mal ça pour mes petits trucs, ben, au niveau de mes cheveux, au niveau du lavage. Puis vraiment, après la douche, je viens utiliser deux produits. Ben, je pourrais vous les montrer. Je vais aller prendre ma douche, je vais me laver avec, avec mes shampoings. Et d'ailleurs, il me reste presque plus de shampoing, puis j'en ai pas en backup. Fait que je vais aller en acheter un, ben, quand je vais aller à la pharmacie, là. Ben, en fait, il va falloir que j'y aille, là. Il reste genre deux utilisations. Mon chum m'utilise aussi, fait que c'est super pratique. On n'a pas 50 000 produits dans la douche, tu sais. On utilise toutes la même affaire. Puis, ben c'est ça. Dans le fond, j'allais prendre ma douche, je vais me laver les cheveux, puis après ça, je vais vous montrer ce que je mets après les avoir lavés. Ok, j'ai changé de spot avec Banjo. Hein? Tu voulais faire partie de la vidéo? Puis, c'est ça, parce que là, je trouvais ça vraiment lettre, là, dans ma salle de bain, que j'aime pas. Puis, en plus, la fan marchait, fait que là, j'étais comme, oh, tout bas. Fait que, dans le fond, je suis sortie de la douche, puis il y avait un point que j'ai pensé qu'il fallait que je vous mentionne. Le masque puis le revitalisant, dans le fond, souvent, ce que je fais, c'est que je vais venir le laisser agir dans mes cheveux, là, plusieurs minutes. Dans le fond, j'en profite souvent, là, quand je me lave les cheveux pour, comme, m'exfolier, me raser entièrement les jambes, puis... Oh! Cutie pie! Puis, fait que c'est ça, fait que tu sais, comme je laisse le masque agir pendant ce temps-là, dans le fond, je le laisse vraiment quand même longtemps. Là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Les fesses. Allez hop! Alors, c'est ça, fait que là, je suis sortie de la douche, puis dans le fond, je me sèche toujours les cheveux dans ma coucou caribou. On a quitté. Dans ma coucou caribou que j'adore tout autant, ça doit faire. Ça fait plusieurs mois que je l'ai. Bon, j'ai été comme coupée, là, excusez-moi. Mon chum m'a appelé parce qu'il trouvait pas ses petites affaires de produits. Puis là, j'ai fait des appels un peu partout. Fait que bref, c'est pour dire que je m'en rappelle plus ce que je disais. Mais que j'aimais beaucoup ma coco caribou, ça c'est sûr et certain. Fait que dans le fond, j'ai laissé sécher mes cheveux, comme vous voyez. Moi, je viens les brosser. Là, ils disent que c'est pas bon, là, mais... Je les avais comme déjà démêlés avant de rentrer dans la douche, là. Fait que c'est juste comme venir placer, là, parce que j'ai de l'air petit coup un peu. Puis ma croque, c'est-tu correct? C'est pas évident, hein, dans une caméra. OK! Fait que voilà! Fait que j'ai démêlé mes cheveux, puis j'ai un cheveu en face. Comme ça. Puis je viens utiliser ce produit-là de chez Shi. C'est de la soie dans le fond, comme ça. Je le prends souvent au Home Sense. Je prends aussi sinon la rouge, là. Elle, c'est parce qu'il y a de la soie puis de la kératine dedans. Fait que je viens en mettre comme du même environ, là. Comme ça, je sais pas si on voit. En tout cas, comme un 25 sous, mettons, vu que j'ai les cheveux longs, là, un 10-25, là, un 10-25, un 5 sous. Puis, je viens le mettre vraiment à la base de mes cheveux. J'en ai peut-être mis beaucoup cette fois-ci. Fait que, je viens vraiment, c'est ça, en mettre. Fait que c'est pas mal ça. Puis sinon, je vous avais parlé, là, dans le fond. Moi, c'est sûr, j'ai pas de coupe dans mes cheveux parce que je vais... Ben, j'ai gêné un peu, là. Ça dépend comment que je filme, mais je vais jamais chez la coiffeuse. La dernière fois que je suis allée, genre, c'était pour mon bal définissant, pour me faire faire ma coiffure, parce que je suis jamais satisfaite des coiffeuses. On dirait, tu sais, là, je leur disais de couper, mettons, ça, puis genre, ils coupaient ça, là, tu sais. Oh, ça m'énerve. Fait que ça fait vraiment longtemps que je peux aller chez la coiffeuse. Dans le fond, je me coupe moi-même mes pointes. Puis là, d'ailleurs, je suis due. Ce qui est drôle, comment je sais que je suis due, c'est que j'ai un côté de cheveux qui pousse plus vite que l'autre. Je sais pas si on voit. Ouais, comme là, je suis due, là. Parce que lui, il est plus long. Fait que c'est ça, là, avec le déménagement, je l'ai pas fait. Là. Je l'ai fait quand même, genre, peut-être aux 3 mois. Fait que je viens couper les pointes. Puis souvent, je m'arrange un petit peu la frange, là. Là, c'est ça, je suis due. Là, j'ai vraiment plus de coupe. Puis, c'est ça, vu que je vais pas chez la coiffeuse non plus, je me fais pas de teinture et tout ça. J'ai jamais eu de teinture ou de mèche dans mes cheveux. C'est vraiment ma couleur naturelle. Mais
Souvent l'été, je viens agrémenter avec ce produit-là que j'utilise depuis genre que je suis toute petite, là, je pense depuis 6e année, secondaire 1 en tout cas. Puis que ma mère utilisait. Je le trouvais juste aux États-Unis, mais là j'ai été capable de le commander sur Amazon. Fait que c'est du Sunin. Hey, c'est comme, c'est-tu cute, ça fait-tu pas américain ça? Fait que Sunin comme ça. Puis dans le fond, c'est un petit produit éclaircissant. Puis il y a comme d'autres marques qui en font, là, genre John Machin, puis L'Oréal à un moment donné en avait. Mais perso, j'ai jamais vraiment. Je trouve que lui, c'est vraiment le best. Fait que je mets en mettre sur mes points. On se fait déranger tout le temps. Je suis en train d'appeler, je sais pas qui. Ah! Oh, lui pis son drain, là. Le monsieur, il me parlait de ses affaires. Tu sais, ah, oh, j'aille ça, là. Régler des problèmes qui me sont pas dus. Tu sais, genre, on dirait que tu joues à l'entre-deux, genre. Lui, mais. Voyons, pourquoi mon téléphone, il appelle des trucs? Ça, tu sais, appeler, genre, pis là, comme, le monsieur dit quelque chose, pis là, mon chum dit quelque chose, pis là, genre, faut que je fasse les messages entre, là. Une chance que je suis pas pire, pis je connais ses projets, parce que sinon, je serais genre... Fait que bref, je viens mettre ce produit-là, mais tu sais, c'est ça, et comme, utilisez pas ça si vous êtes brune, là, dans le sens que vous allez pas venir blonde si vous êtes brune foncée, là, vous allez devenir peut-être avec des reflets roux, mais... Tu sais, ça éclaircit, mais c'est pas une teinture, là. Fait que, tu sais, c'est ça, j'en mets un peu partout. J'en essaie d'en mettre un peu plus à la racine, souvent, parce que, tu sais, j'ai des reflets blonds comme de l'an dernier. Puis, sinon, je viens juste comme sécher mon toupet, un petit peu ma racine, juste pour donner du volume, parce que sinon, j'ai l'impression que, comme, mes cheveux, ils me tapent sa tête. Alors, je vais sécher ça! Fait que dans le fond, je viens comme je vous disais, juste sécher comme mon toupet, tu sais, là c'est tout mouillé encore. Juste comme pour donner un peu d'éclat. Mais dans le fond, après ça, c'est ça. J'ai juste séché. Hey, ça va bien. Je vais arriver par vous le dire. Je laisse sécher. Allô? Je laisse sécher pour pas que mes cheveux s'abîment. Fait que c'était un petit peu chaotique la fin de ça, mais au moins c'était plus cute avec l'éclairage. Puis c'est ça, moi dans le fond j'ai les cheveux quand même qui sont... ben j'avais les cheveux vraiment frisés quand j'étais jeune. Puis là ben ils sont juste comme... ben là ils sont encore mouillés, mais vous voyez un peu genre ils sont comme frisottés. J'ai quand même pas mal de volume, mais j'ai pas si j'ai tant de volume, mais j'ai juste beaucoup de cheveux, là. Je sais pas si ça se voit, là, mais c'est ça. Je suis quand même une bonne crinière, là. Ouais. Fait que, voilà! J'espère que vous avez aimé. Puis là, ben, moi, je vais mettre fin au vlog parce que je vais aller préparer notre souper. Puis dans le fond, on va se faire du bon saumon ce soir. Ma recette préférée, là, c'est la recette de saumon thaï et vermicelle au curry de Ricardo. C'est super bon. Moi, je fais pas la petite sauce au lait de coco, là. J'en ai pas besoin, c'est juste trop bon. Puis, je vais mettre fin au vlog. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, je sais qu'il y en a qui voulaient aussi avoir mes soins du visage. Je pourrais vous les faire éventuellement. Je vais pas vous en faire deux back-à-back, t'sais. On va se garder ce plaisir-là. Fait que, dans le fond, je pourrais vous en faire un. Vous me direz si vous utilisez les mêmes produits que moi ou si... vous voulez faire différent. Moi, je sais que, dans le fond, j'aimerais vraiment ça, essayer la gamme Kérastase à un moment donné. Mais je les trouve quand même assez dispendieux, je vous le cacherai pas. Puis, c'est ça, tu sais, on a tellement de dépenses avec la maison que c'est ça. J'aimerais vraiment ça les essayer parce qu'il y a plein de gens que je suis qui ne jurent que par ça. Fait que éventuellement, je pense que je vais me les procurer comme un petit cadeau. Mais vous me direz ce que vous utilisez puis vos musts en commentaire si ça vous tente. J'aime toujours ça vous lire puis je prends toujours le temps de vous répondre. Okay. C'est ça! Bye tout le monde! Tu dis-tu bye avec moi, Manja? Bye bye!